Yo les gars, c'est Penta, j'espère que tout le monde va bien comme tu l'auras vu au titre de la vidéo. Aujourd'hui les gars, je vous ai fait enfin la vidéo des 20 skins les plus tryhard à 1200 V-Bucks. Donc juste avant qu'on attaque le classement, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas à liker la vidéo et sans plus tarder, on attaque avec les skins. Bon du coup les gars, je le rappelle encore une fois, mais faut savoir que c'est mon classement des skins les plus tryhard à 1200 V-Bucks. C'est pas parce que c'est mon classement que c'est forcément la vérité. Bref, en tout cas, installe-toi confortablement et je te propose qu'on attaque avec la 20ème position les gars. J'ai décidé de vous sélectionner le skin crawleuse, vous le voyez à l'écran, ce skin là était un petit peu joué en compétition et en ranked il y a quelques saisons. À l'heure actuelle, ça reste quand même un skin qui est tryhard. Et ce qui est pas mal avec ce skin, les gars, c'est qu'elle possède 3 ou 4 variantes de à peu près toutes les couleurs. Donc, on va pouvoir faire des combos stylés et tryhard. Donc, c'est parfait. 19ème position, les gars, j'ai décidé de vous sélectionner un skin que Thomas HD, donc un joueur pro Fortnite, joue énormément, les gars. C'est le skin déchiffreuse. Vous voyez le skin à l'écran. Et en vrai de vrai, ce skin là, les gars, je le croise très souvent en duo cash cup, en solo cash cup ou même en ranked. En tout cas, les gars, faut savoir que ce skin là est un des skins les plus tryhard en compétition. Entre guillemets les gars, vous m'avez compris. En tout cas les gars, je vous le conseille, quand il ressortira dans la boutique, n'hésitez pas à l'acheter avec le code PENTA. 18ème position, un ancien skin qui était vachement tryhard durant le chapitre 2, un petit peu pendant le chapitre 3. À l'heure actuelle, ça reste un des skins les plus tryhard, mais il a perdu en popularité entre guillemets les gars. C'est le skin Arctica, vous le voyez à l'écran. Honnêtement, ce skin là les gars, en plus d'être tryhard, je le trouve magnifique. Je sais qu'on a un joueur pro ENA qui joue ce skin H24, mais je me rappelle plus son blaze. Donc s'il y en a qui savent dans les commentaires, n'hésitez pas. 17ème position, faut savoir que ce skin là a été énormément popularisé par les joueurs professionnel qui a gagné la première coupe du monde sur Fortnite les gars, c'est à dire Booga. C'est le petit skin Batchy, vous le voyez à l'écran. Et honnêtement, ce skin les gars, c'est une masterclass. Ce skin là possède deux variantes, une en rouge et noir et une en full rose. Dans tous les cas, le skin est stylé, il est tryhard. Je me rappelle qu'à l'époque tout le monde attendait son retour dans la boutique parce que Booga faisait que de le jouer. En tout cas les gars, honnêtement, ce skin là c'est un banger. 16ème position, je vais vous sélectionner un skin qui est déjà plus récent que le skin Batchy les gars. C'est le petit skin Tsuki la créatrice qui était sorti la saison dernière. En tout cas, ce skin là les gars, faut savoir que c'est un skin qui est tryhard. Moi personnellement, c'est le joueur pro français Skyden qui m'a fait découvrir le skin. Et honnêtement, le skin vaut le coup les gars. En plus d'être tryhard, encore une fois, c'est un skin qui reste stylé. Par exemple avec le sac à dos trèfle et la petite grippe stylée les gars, vous aurez un combo de skin masterclass. 15ème position les gars, j'ai décidé de vous sélectionner le petit skin Asphalt. Vous le voyez à l'écran, je sais que Jolabani joue H24 ce skin là les gars. Et ce qui est pas mal en plus avec ce skin, c'est qu'elle possède 4 variantes encore une fois de à peu près toutes les couleurs. Donc on va pouvoir faire des combos qui sont incroyables. En plus de ça, c'est un skin qui est tryhard. Encore une fois, c'est un des skins que je croise le plus en compétition. Bref, ce skin là les gars, encore une fois, c'est une masterclass. 14ème position les gars, j'ai décidé de vous sélectionner un skin que Mister Savage a énormément popularisé les gars. C'est le petit skin réflexe furtif. Donc déjà, c'est le premier skin homme de ce classement. En tout cas, le skin les gars, on est tous d'accord pour dire que c'est une masterclass. Par exemple avec la omnisciente ou même la sucre d'orge les gars, vous aurez un combo de skin qui est unique et tryhard. Donc forcément les gars, je vous le conseille. Pour la 13ème position les gars, j'ai décidé de vous sélectionner un skin emblématique des tryhards les gars. Faut savoir que ce skin là, au tout début de Fortnite, c'était le skin des gros tryharders les gars. Je vous parle bien évidemment de la footballeuse, donc de la joueuse décisive, vous la voyez à l'écran. Et d'ailleurs c'est grâce à ce skin que j'ai percé sur YouTube les gars. Ma toute première vidéo combo de skin qui a fait des vues, c'est avec la footballeuse les gars. Et d'ailleurs elle a fait 1 million de vues. Bref, en tout cas, ce skin là les gars, faut savoir qu'à l'heure actuelle, ça reste encore un skin qui est un petit peu tryhard, mais bon, c'est plus comme avant. En tout cas, forcément les gars, ce skin là, je vous le conseille si vous avez envie de le jouer. Moi personnellement, je le kiffe. 12ème position les gars, j'ai décidé de vous sélectionner le petit skin harmoniste. Et je me rappelle qu'un abonné m'avait offert tous les skins du bundle. En tout cas, si tu passes par là, merci à toi mon ref. En tout cas les gars, faut savoir que le skin harmoniste est beaucoup joué en compétition les gars, mais vraiment, surtout les variantes qui sont en grise avec la pelle à la neige les gars, vous aurez un combo de skin qui est vachement tryhard et stylé. Et ce qui est pas mal aussi les gars, c'est que le skin il est entièrement personnalisable. Vous allez pouvoir changer les couleurs du skin, donc après vous faites ce que vous voulez pour faire vos combos. 11ème position, encore une fois un skin emblématique des tryhards les gars. Mon Graal faisait que de jouer ce skin là les gars. Je vous parle bien évidemment du skin Dynamo. Je pense que vous avez tous capté, mais on se rappelle tous du combo de skin tryhard de Mon Graal à l'époque avec le trèfle et la sucre d'orge. En tout cas, le skin Dynamo à l'heure actuelle les gars, ça reste encore un skin qui est tryhard, plus autant qu'avant évidemment, mais le skin est quand même tryhard. Avant que j'attaque la 10ème position les gars, si vous voulez m'avoir en ami, rejoignez mon Discord qui est dans la description les gars. Vous avez juste à mettre une preuve que vous avez mon code créateur dans la boutique Fortnite et je vous ajoute le jour même. Et pour ceux qui n'ont pas de Discord les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires allez Paris avec votre épique à la fin du commentaire. Évidemment, j'ajouterai le plus de monde possible. Et du coup pour la 10ème position les gars, j'ai décidé de vous sélectionner un skin homme qui était vachement tryhard durant le chapitre 2 et le chapitre 3 de Fortnite. À l'heure actuelle, ça reste un des skins les plus tryhard masculins les gars. Je vous parle bien évidemment du skin Pantin. J'ai pas sélectionné le skin Pantin suprême car il est sorti qu'une fois en boutique et je sais que pas beaucoup de personnes le possèdent. En tout cas, le skin Pantin les gars, faut savoir que c'est un des skins hommes les plus tryhard sur Fortnite depuis le début du jeu. Donc encore une fois, s'il ressort, n'hésite pas à l'acheter. 9ème position les gars, j'ai décidé de vous sélectionner un skin qui est plutôt récent si je me trompe pas. Il était sorti pendant les dernières saisons du chapitre 3 les gars. Je vous parle du skin écumeuse de Risky. Vous voyez le skin à l'écran et honnêtement le skin les gars, il est incroyablement
stylé tryhard. Moi ce que je kiffe c'est qu'on a 10 ou 15 variantes, bon à peu près les gars c'est approximatif, de variantes différentes de à peu près toutes les couleurs. Donc encore une fois on va pouvoir faire des combos avec ce qu'on possède dans notre casier, donc je trouve ça incroyable. 8ème position les gars, je vais vous sélectionner un skin qui est sorti pendant la coupe du monde de foot les gars. Je vous parle du skin Mécano FFC, vous voyez le skin à l'écran et c'est pour ça que j'ai pas placé le skin Mécano les gars, vu que c'est le même skin entre guillemets sauf que là on a plus de variantes. Bref les gars, faut savoir que le skin Mécano FFC c'est un des skins les plus tryhard à 1200 V-Bucks. Le skin il est juste incroyable et encore une fois il est ultra personnalisable, vous allez pouvoir faire des combos de skins uniques. Donc encore une fois les gars, quand ce skin là ressortira, foncez dessus. 7ème position les gars, j'ai décidé de vous sélectionner un skin que Quizy a énormément popularisé. Le skin est vachement tryhard et stylé les gars. Je vous parle du skin Sérénade, vous le voyez à l'écran. Honnêtement je l'ai découvert récemment et je le trouve juste incroyable. Pour ceux qui se poseraient la question, qui est Quizy les gars? C'est un des joueurs pro les plus forts en ce moment les gars. Dites vous qu'il a gagné plusieurs fois les FNCS etc. Bref en tout cas le skin Sérénade les gars, forcément je vous le conseille car il est incroyable. 6ème position les gars, j'ai décidé de vous sélectionner un skin que Tyson a énormément popularisé. Il faisait que de jouer ce skin là pendant très longtemps les gars et il a même gagné les FNCS avec ce skin. Je vous parle du skin Tigresse, vous le voyez à l'écran. Et moi personnellement je trouve que c'est un des skins les plus sous-cotés à 1200 V-Bucks. Je le croise rarement alors qu'en vrai les gars il est magnifique, il est tryhard, il est stylé. Donc encore une fois c'est un skin qui mérite sa 6ème place. Pour la 5ème position les gars, on va commencer à attaquer les 5 skins les plus tryhard à 1200 V-Bucks les gars. Et du coup à la 5ème position je vous ai sélectionné le petit skin Jalonneuse. Faut savoir que ce skin là les gars, tout le monde attendait son retour dans la boutique vu que c'était un des skins les plus rares de Fortnite. Et en genre pro les gars, on a Podasai, donc M8 Podasai qui le joue très souvent. Donc oui c'est un skin tryhard, donc je vous le conseille. 4ème position les gars, et honnêtement j'ai hésité mais j'ai décidé de vous sélectionner le petit skin Echo. Faut savoir que ce skin là possède 4 variantes, donc encore une fois tu vas pouvoir faire des combos qui sont plutôt stylés et tryhard. Et faut savoir qu'il est énormément joué en compétition. On a Snazy qui le joue très souvent et notamment beaucoup d'autres joueurs pro. Donc si vous vous posez des questions si le skin Echo est vraiment tryhard ou pas les gars, oui il est tryhard et il fait partie du top 5. Pour la 3ème position les gars, je vais vous parler d'un skin qui était énormément tryhard durant le chapitre 2. Le chapitre 3 à l'heure actuelle ça reste un des skins les plus tryhard sur Fortnite. C'est bien évidemment le skin Focus, vous le voyez à l'écran. Je me rappelle que quand ce skin là était sorti pendant le chapitre 2, tout le monde l'avait acheté car c'était le skin tryhard à jouer. Et je me rappelle que je vous avais fait grave des combos de skins avec et vous avez kiffé. Bref en tout cas les gars, le skin Focus oui c'est un des skins les plus tryhard. Pour la 2ème position honnêtement les gars j'ai hésité. Je vous ai sélectionné le petit skin Sirène, vous voyez le skin à l'écran. Moi personnellement je le croise autant en compétition qu'en ranked. Je me rappelle à l'époque que Benji Fishy l'avait énormément popularisé. À l'époque tout le monde faisait que de jouer ce skin là avec la baguette étoilée. Bref en tout cas le skin Sirène les gars, honnêtement c'est un des skins les plus tryhard. Moi personnellement je joue pratiquement tous les jours à chaque fois que je joue à Fortnite, donc j'en déduis que c'est un des top skins tryhard. Et pour la pole position, donc pour le skin le plus tryhard à 1200 V-Bucks les gars, j'ai décidé de vous sélectionner le petit skin Sorcière Surfeuse. Et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Vous voyez le skin à l'écran, honnêtement ce skin là les gars il reflète les tryhard entre guillemets les gars. J'espère que vous m'avez compris. En tout cas les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié des skins ou si vous aurez mis deux skins à la place de la 10ème position etc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les gars si vous voulez que je vous ajoute en ami, tu rejoins mon Discord. Les gars j'espère honnêtement que vous aurez bien kiffé la vidéo d'aujourd'hui. Les gars je vous fais des bisous, ciao.